Bonjour YouTube et bienvenue donc dans ce deuxième épisode du suivi de la construction de Stargate Atlantis sur Minecraft. Donc sur l'épisode, pour rappeler un peu pour ceux qui n'arriveraient pas d'un coup, sur l'épisode précédent on a tracé donc toutes nos lignes médianes qui correspondent à ce dessin. Ouais ça bug, je peux pas vous le montrer, bref. On a tracé nos lignes médianes qui vont nous donner l'axe de toutes les digues, voilà, pardon. Donc là il nous reste plus qu'à, pour finir ce triangle central vraiment, il nous reste plus qu'à couper de là à là jusqu'à la pointe, pareil là et pareil là, d'accord. Une fois qu'on aura fait ça, on aura notre triangle central fini. Donc on va le faire sans plus attendre. Bon déjà pour éviter d'avoir plein de ronds, parce que j'en ai déjà un deuxième là et tout, on va juste repérer en fait où est-ce qu'on doit couper et on va enlever le rond. Voilà. Vous allez voir, ça aura plus de gueule comme ça, et ça sera plus sympa à construire pour nous, car plus petit surtout. Hein. Ça, juste après je vais faire undo pour enlever ce rond là, vu que là c'est le sol de notre cité, hein, on va pas se faire embêter par d'autres matériaux qu'on va devoir enlever même si c'est dit après. Donc autant les enlever tout de suite. Voilà, alors là, undo. Et donc maintenant, on scelle poly. Oh, bon, on y est déjà, donc on va partir de là. Ah là, oh, on aurait pu. Ouais. Oh, on va faire comme ça. De toute façon, il va m'en rester en fait. Parce que sur les polis, ça marche bien. C'est très efficace, mais. Ensuite donc à la pointe. Pareil la pointe on va se désaxer un peu. Hop, on va prendre là. Et là. Alors, tac et tac. Donc on va se mettre sur la pointe. On va copier. Ça va nous donner l'écartement minimum en fait. Copie. Et maintenant. Voilà. On va aller au bout du vert, ce qui est le bout de notre cité, hein, je vous rappelle. C'est si grand que ça. Ah, il s'arrête là. Voilà. On va aller donc là. Donc ça va être là. Et là, on va faire un past. Ah non. Autant pour moi, je me trompe. Il faut prendre en compte la taille du triangle, ben, la longueur du triangle. Donc, on va prendre un certain nombre. Là. On va essayer là. Ouf, non, c'est pas sûr. Là. Paste. Alors, c'est pas grand chose que je te demande là. Non, tu veux pas. Bah. Alors, un dos. Non, le poly, c'est pas super bien fini, on va dire. Un dos. On va faire c'est qu'on va même se mettre là, alors copie.
C'est un peu laborieux, hein. On fait ce qu'on peut. Past. Voilà. Ok, on voit clairement qu'on est trop, hein. On est trop près. Alors, undo. Encore beaucoup, hein. Ça va être trop. Oh! Une dizaine. Voilà, nickel. Donc notre écartement minimum de la cité, c'est ça. Et de là à là. Donc en gros, de là à là, on sera droit. Et il faudra qu'on fasse beaucoup plus large pour être raccord. Undo. Là, on va cut là-bas, parce qu'on a notre distance maintenant. Donc, normalement, si je me mets là, et à force de rond, je devrais arriver à trouver le H-Sil 35-60. H-Sil undo H-Sil 3580. Voilà, j'y vais un peu à vue de nez, hein, je vous l'avoue. Voilà. J'avais dit oui. Donc on voit clairement que c'est pas suffisant. Ah ouais, maintenant que j'ai pas fait l'autre côté, on va faire l'autre côté quand même pour être sûr. De voir ce que ça donne.
Ah, c'est pas mal. Je fais juste une petite coupure de fraps, 2 secondes pour que ça charge. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est notre cité. Enfin, je vous expliquerai après plus tard à quoi correspondent ces axes. Mais globalement, ouais, c'est la cité. On pourrait même faire plus. Attendez, je fais une petite pause, je vais voir mon schéma et je vous. Ouais, donc je vous reprends. Donc j'ai vérifié, c'est bon, ça a l'air correct. Mince. Voilà. Donc ça a l'air correct. En gros, là, je dois avoir 1,5. Donc là, en gros, je dois avoir 1,5 et là, je dois avoir 2. Donc, ouais, à peu près, c'est ça. Donc, on va juste repérer le HCl 3580. Et on va faire pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté, pareil en haut. Comme ça, elles seront toutes pareilles, ces trois-là. L'intérêt, c'est que les trois branches. Parce qu'il y a trois, il y a deux types de branches en fait. Donc, il y a celle-ci qu'on est en train de faire, plus les deux autres qu'on va faire là. Mais il y a aussi les. Comment dire? Celles que. Les autres en fait. Celles qui partent sur les côtés là. Les plus petites. Il y a des grosses et des larges. Il y a des fines et des larges. Donc là, nous on se concentre sur les larges. Donc, tac. Là, on va suivre ça. Et on va faire un cil donc de 80. Ce qui a été fait tout à l'heure. Je vais me reprendre une cigarette. Oui, parce que pour vous, ça va faire clope sur clope, mais j'ai cherché un moment quand même, parce que j'ai dû chercher un logiciel avec une règle et un compas. Donc ça a été assez problématique. Donc là, on va faire le cylindre de tout à l'heure. Celui-là. Là, j'ai fait là. J'ai fait là. Donc là, on va les prendre. Celui-là, je crois. Ouais. On va en mettre un au bout. D'où on est parti avec notre cylindre. Là. Et une là-bas. Cette cobble. Bon, on va mieux comme tout à l'heure, hein, pas de surprise. Et après ça, on va se faire une petite carto et je vous montrerai. Un peu long. Vaut mieux laisser le temps au serveur de faire toutes les modifications qu'il a fait, qu'on lui a demandé, plutôt que de le presser, ça sert à rien. Voilà. Moi j'aurais dû enlever la laine, mais bon, c'est pas grave, la laine on la gardera pas de toute façon. Pour celui-là, et donc pareil pour en haut. Oh les chats! Bon, là ça charge doucement. On fait une petite coupure, voilà, petite coupure de frappe pour vous remettre pour bien afficher tous les. On voit pas trop, mais sur la carto, vous verrez que c'est bien. Là, avec la profondeur et tout, on croit que c'est droit, mais ça l'est pas du tout. Vous allez voir pourquoi. Après ça, je vais relancer. Donc, on fait la dernière là des trois. Je vais relancer le serveur, tirer une carto pour être sûr de ce qu'on a fait. J'ai eu peur. Non mais c'est bon, je l'ai fait là.
Et j'ai été pris d'un horrible doute. J'ai cru que j'avais pas mis la repère. Faut que je trouve un logiciel de carto plus efficace parce que ce que je l'ai, j'arrive pas à faire une vision du dessus et ça m'embête. De cobble, on est à la moitié là, à peu près. Encore une fois, c'est pas l'aspect final de nos. C'est pas l'aspect final de notre digue, hein, c'est juste la base. Donc, je vais vous laisser là pour le deuxième épisode. Et on se retrouve après pour la suite. Merci!